Depuis que je suis tout petit, je voulais être inventeur. J'étais passionné par les questions environnementales. Et un jour, on m'a dit non, mais inventeur, c'est pas un vrai métier. Et donc, je suis devenu officier de marine marchande. En 2016, j'ai fait escale à Dakar, dans une des anses les plus polluées de la ville. Et là, j'étais frappé par toute la pollution plastique qu'il y avait. Mais à la fois par toute l'ingéniosité qu'on peut trouver dans la ville, puisqu'on peut recycler des canettes d'alu à chaque coin de rue. Mais par contre, le plastique n'est pas encore traité. Ça fait quasiment 6-7 ans que je m'intéresse à la pollution plastique. Et en creusant, en regardant les études scientifiques, je me suis rendu compte que le problème était un peu plus compliqué que ce qu'on peut voir dans les médias. Chaque minute, c'est plus de 20 tonnes de plastique qui se déversent dans l'océan. Et pourtant, on en retrouve assez peu à la surface. On retrouve 0,6% de la pollution plastique. Puisqu'en réalité, tout le reste a coulé ou s'est décomposé en petites particules. Les deux actions à mener pour lutter contre la pollution plastique, c'est de recycler les déchets qui ont déjà été produits et d'éviter d'en produire plus en réduisant notre consommation de plastique. Ça se traduit pour nous dans le message qu'on porte « Clean up the past and build the future ». Recycler les déchets et réduire la consommation de plastique. L'approche qu'on a, c'est pas de dire « il faut nettoyer » la planète, mais plutôt de se dire si on arrive à transformer ces déchets et en faire quelque chose d'utile pour les populations locales, on va pouvoir créer des emplois et éviter que ces plastiques finissent dans l'océan. Ça fait 4 ans qu'on travaille sur ce projet. Il y a eu plusieurs étapes. On a construit un premier prototype, Ulysse, de 6 mètres de long, qui embarquait une pyrolyse pour transformer les plastiques en carburant, avec lequel on a fait un premier tour de France pour trouver nos premiers partenaires. Donc ça fait à peu près 1 an et demi qu'on est en chantier. C'est un long chantier et là, dans 2 mois, il se termine. On va pouvoir partir à Marseille pour le grand départ en novembre. On est à bord du Plastic Odyssey. Il y a un bateau de 40 mètres de long, 10 mètres de large, qui embarque plein de solutions contre la pollution du plastique dans l'océan. À l'achat du navire en 2019, on était parti sur un chantier de 3 mois pour le modifier et partir en expédition. Sauf qu'entre-temps, il y a eu le Covid, on a découvert de l'amiante à bord et après, on s'est lancé dans des travaux de chaudronnerie titanesques. Donc aujourd'hui, on est 1 an et demi de chantier quasiment. Là, on peaufine, on met le polish sur le bateau et en novembre, on est prêt à partir de Marseille pour 3 ans d'expédition autour du monde. Le bateau, il est divisé en deux. On a deux espaces. L'arrière qui est dédié au recyclage, le laboratoire du recyclage, et l'avant qui est la zone de vie sans plastique avec les solutions alternatives qui sont exposées. Ces machines, à bord du Plastic Odyssey, elles vont permettre de travailler sur la valorisation des différents types de déchets qu'on va rencontrer aux escales. On va chercher en fait à identifier le déchet et à définir un besoin localement et essayer de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir le valoriser du déchet au besoin avec tout le modèle économique associé. Dans cet atelier, on va accueillir des entrepreneurs pour qu'ils prototypent avec nos machines des objets en plastique recyclé. Pour aller à la rencontre des citoyens et citoyennes à chacune des escales, on a construit le village Plastic Odyssey. C'est un village de sensibilisation mobile qui permet d'alerter sur les dangers de la pollution plastique et de présenter des solutions alternatives. On lance la première étude mondiale en sciences humaines sur la pollution plastique pour mieux comprendre comment faire évoluer les comportements. Concrètement, à chacune des escales, on va collecter des témoignages auprès des citoyens et ça va nous permettre de produire de la connaissance pour outiller la communauté scientifique et politique pour prendre des décisions. Pour les plus jeunes, on a conçu Code Océan. C'est un outil pédagogique qui a été pensé à la manière d'un escape game mais qui permet aux plus jeunes d'enfiler un costume d'explorateur et d'aller enquêter sur la pollution plastique et les solutions qui existent près de chez eux. Les prochaines étapes pour Plastic Odyssey, une escale en Égypte, en Tunisie, au Maroc et ensuite une trentaine d'escales autour du monde. Notre objectif long terme, c'est de cataloguer toutes les solutions avec cette expédition et de diffuser ces solutions à travers le monde. Alors aujourd'hui, on sait recycler le plastique, mais cette connaissance, elle est entre les mains de quelques industriels. Et donc ces solutions, elles ne sont pas démocratisées, elles ne sont pas accessibles. Et c'est ça le défi, c'est de les rendre accessibles au plus grand nombre. On a une plateforme pédagogique, une plateforme technologique, on a un programme de recherche en sciences sociales, on a des machines et un programme d'incubation pour les entrepreneurs. Tous ces outils, partagés avec le plus grand nombre de personnes sur la planète, peuvent permettre d'endiguer pour de bon la pollution plastique de l'océan.